Le jour où l'entend nous plonge dans une résonance intime pour faire de nous-mêmes des marcheurs vivants, je l'ai dit, je ne serais que répété pour une marche vivante. Le jour où l'entend nous plonge dans un état de silence pour exploiter en silence toutes ces voies de silence. En silence et devenir sacrement. Voilà le miracle de ce roman-là. C'est atteindre au fond de l'or, sans violer sa clôture, sans exprimer ses secrets, c'est de le mettre en face de l'éternel en lui. Alors, Félix, ne le prions pas. Quand on maintient, ne le repousse pas. Quand on vient faire de ton Seigneur, crois qu'on plaît. On va permettre aux gens de s'asseoir et dis-moi, afin que je m'éloigne. Pour dire au pays de ceux qui marchent de nous, tourner à leur destinée, que le Fils, le constructeur, le bâtisseur des mosquées, a compris la vraie aventure. Oui, éminente personnalité, voici un élément. On peut l'accorder très fort, s'il vous plaît. On vous remercie. On peut l'accorder très fort, s'il vous plaît. Veuillez reprendre vos sièges. Je tiens aussi particulièrement à remercier M. Bourou Mamadou qui a fait revivre cette tradition de griots qui nous est très chère en Afrique, qui ont servi pendant très longtemps de bibliothèque et de garant de nos savoirs ancestraux. J'ai eu le sentiment, pendant qu'il parlait, de revivre certains livres que j'ai lus, comme Oui, mon commandant de Avalois Fateba, dans lequel. Il fait la part belle au trio. Et pour moi, c'est un honneur de l'avoir écouté. Ça m'a donné la chair de poule par moment. Non pas parce qu'il parlait de moi, mais surtout de la manière dont il parlait, qui m'a beaucoup fait penser à cette tradition que je trouve qui est très importante dans le partage de nos connaissances et dans le partage du savoir pour nos enfants et que j'espère de tout mon cœur va revenir. On le voit avec les slameurs de plus en plus. À la lecture du titre « Le jour montant », je lui ai dit « Va te rappeler le titre d'une sourate » et elle m'a dit « Bah, c'est exactement ça. » Et cette sourate vous a été lue par Beaumont, c'est la sourate 93 du Coran. Et c'est alors que Dieu se révèle à lui avec la sourate 93 en lui disant « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. » Voilà le titre « Le jour montant ». Tant que tu ne trouves pas en toi les raisons profondes qui te poussent à agir comme tu agis, tu ne peux pas comprendre et transcender et réussir à te connecter à l'autre. Et chacun de nous, on a cette voie-là et ce chemin à faire. La simplicité littéraire, la facilité littéraire, mais la profondeur de l'âme et la profondeur de l'homme que tu es et que tu as couché sur chaque livre dans ce livre. Moi, je te considère comme un mort vivant. M-A-U-R-E, mais aussi M-O-R-T. Parce que quand on a traversé tout ça, on est un ovni, un homme vivant né pour impacter et pour influencer, j'ai envie de dire. Ce livre n'est pas simplement un roman, ce livre n'est pas une autobiographie, c'est aussi un livre de culture générale. Et c'est nous qui appellent nous, notre génération, qui sommes la génération X, Y, Z, on en appelle, qui sont la génération connectée, la génération du buzz ou du bad buzz, à revenir à ce qui fait l'homme, sa connaissance, son savoir, apprendre par les livres, apprendre par la musique, apprendre par l'art, apprendre par le sport. En fait, Wisdom 19, c'est ça. Tu as tout appris. Et tu as donné le plus à tout le monde. Moi, je te considère comme un géant au pied d'or. C'est ce qui m'a impacté dans le livre. Comment a-t-on pu raconter autant de choses sur des gens qu'on peut reconnaître? Et quelle a été la réaction de ces gens-là? Donc, vraiment, le livre, et je vous avoue, je n'ai pas fini de le lire comme je le lis. Chaque fois, je le reprends. Je lis. Et monsieur le juge, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? La fascination, grand-mère, comment il a parlé de son père, comment il a parlé de sa mère. En fait, il n'y avait pas de sujet tabou. Et c'est cet aspect-là qui m'a plu. Et j'avoue que chaque fois que j'ai l'occasion,
je recommande son livre aux gens. Je dis, lisez. Et plus nous serons nombreux à le lire, plus ce sera intéressant. Que vous puissiez vous-même trouver vos voix. Ok, et voix, vous pouvez les appeler comme vous voulez, avec ES, avec X, mais j'espère que vous trouverez vos voix et que vous comprendrez le rôle que vous avez à jouer aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Vous avez un rôle indispensable pour l'avenir de ce pays. Il n'y a pas un meilleur moment que d'être en vie que ce moment-là. Vraiment, je vous assure. Ceux qui sont morts vous le diront. Merci. Donc je pense que nous sommes à une période où vraiment le fruit est mûr. D'accord ? Et quand le fruit est mûr, qu'est-ce qu'on fait ? On le mange. Mais pour le manger, on mange comment ? La première des choses, c'est qu'on enlève la peau. Et la peau, elle nourrit la terre. La deuxième, c'est qu'on mange le fruit. La troisième, c'est que le noyau, on le jette. Et le noyau contient en lui la vie. Et travailler sur vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même. La deuxième, c'est croquer la vie. Germer un arbre qui donnera encore une multitude de fruits comme ce que vous avez fait. Donc il faut que nous, on donne aux autres et on plante. Et que demain, nos enfants puissent avoir encore plus. C'est le seul message que je souhaiterais vous donner et vous encourager.